abonne-toi, ça vaut mieux pour toi. Salut à tous, c'est Cigogne, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Days Gone. Et dans l'épisode précédent, on avait rasé la base principale des Reapers et on a tué Carlos. Et donc on est rentré se reposer tranquillement à la base principale. Et là on est reparti pour rétablir le courant du checkpoint Nero du tunnel Rogue. On va redescendre à pied. Je pense qu'il faut prendre la moto. Ouais, c'est ça. Oh non, même pas. Non, ça, c'est l'embrayage. Je sais très bien où est l'embrayage. Oh, tu veux que je t'apprenne comment faire ou pas? Ouais, mais l'embrayage, je sais ce que c'est. Bon, ok. Alors, je te laisse te débrouiller, hein, d'accord? D'accord. Ah, petite cinématique ou un flashback? Hey, vous pouvez pas stationner ici. Je viens juste pour chercher ça. C'est un ça, domaine oui. Privé. Faites demi-tour et fichez le camp. Allez. Ok. Dépêchez. Ouais. Hey, vous savez quoi? Je pense que je vais l'attendre ici. Allez jouer les vigiles de supermarché ailleurs, soyez sympas. Ici l'officier Moore, on a un problème ici. Écoute, petit con, l'accès est interdit ici. Je t'ai déjà dit de dégager. Ok, écoutez... Hey, bouge plus, je t'ai déjà dit de dégager et que ça saute. Comme je vous l'ai dit, je suis juste venu chercher... Tu vois ce panneau, petit merdeux? Ah ouais, il est plutôt difficile à louper. Je suis autorisé à faire usage de mon arme. Oui, je sais lire, merci. Petit merde. Hey, oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Désolé, mademoiselle Whittaker. Tout va bien, vous connaissez Jim. Cette tête de nœud? Oui, il est avec moi. Il est avec moi. Ah, désolé, je Allez, l'ignorais, viens. Madame. C'est rien. C'est moi qui suis désolé. L'autre. Au fait, Jim. Ah, Ticon. Je suis pas avec elle. C'est elle qui est avec moi. Accroche-toi. Désolé. La petite phrase bien marrante. Pourquoi tu fais toujours ça? Je fais quoi? Jouer au petit con. Arrête, il a commencé. Non mais t'as quel âge? Hé, attention à l'embrayage. Faut donner une bonne accélération. Fais monter le contour. Je m'en sors. Ouais, je vois ça. On va où? De l'autre côté du barrage. Sympa cette petite route tranquille, non? Quand tu conduis? Non. C'est toujours bon pour ce soir? Tu m'as dit que t'aurais peut-être un empêchement. Ah, merde, c'est vrai. Boozer et les gars veulent rendre visite à Jack, au pénitencier de Klamath. Donc tu me plantes pour aller voir un tolard? Jack, c'est pas n'importe qui. Je sais. Je te charriais. Oh mince! Oh merde, fais gaffe! Oh mon dieu! Oh merde alors! Oh bon sang! Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je suis en moto avec toi, un camionneur essaie de nous faire sortir de la route! Oh putain, non, écoute-moi, tu t'en es bien sorti. La plupart des gens auraient paniqué et envoyé la moto dans le décor. Oh, j'ai bien failli nous faire tuer, j'ai été... Je faisais pas attention et j'ai été distraite. Hey, tout va bien. Respire, t'as rien. Attends une seconde, comment ça t'as été distraite? Oh, rien, juste des trucs au boulot, c'est pas important. Oh. Ok, bon. Je croyais que t'avais remarqué mon nouvel... écusson. Ton quoi? Non. Nomade? Attends, tu veux dire que tu quittes le club? Quoi, quitter le club? Non, jamais je quitterai le club. Nomade, ça veut juste dire que... Disons que je m'impliquerai moins à partir de maintenant. Dick, je t'ai pas demandé de faire ça. Non, je sais. Et si tu l'avais fait, j'aurais refusé. T'es prête à remonter en selle? Ouais. Enfin, non, mais je vais le faire quand même. Allez. Merci de m'avoir sauvé la vie. Oh, c'est rien. Je fais ce que je peux. Hé, hey, embraye. C'est comment on embraye? Oh, ok, oh, là, c'est déconne. Mieux. Au fait, tu penses que tes parents sont là? Au mariage? Je sais pas.
Vu que je vais m'éloigner un peu du MC, je me disais... Je doute que ça change quelque chose pour eux, Deacon. Mais tu vas leur dire. Si tu y tiens. C'est juste que... Je compte pas changer qui je suis, ni te demander de changer pour faire plaisir à mes parents coincés. Ok. Attention. Je les ai vus. Hé, c'est pas la direction de ton boulot. Oh, et merde. Et les membres du MC, ils viendront même si tu deviens nomade? Je sais pas. Ça doit faire un bail qu'ils auront pas mis les pieds dans une église. Et puis tu tiens vraiment à voir débarquer 27 Harley devant la petite église de Marion Fox? Ouais. En fait, j'y tiens même beaucoup. Ah, ok. Mademoiselle Whittaker est là. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Mademoiselle, oui. Le chef a essayé de vous joindre. C'est urgent. Ah, c'est toujours urgent. Dites-lui que j'arrive tout de suite. Entendu. Je dois y aller. Hey. Ah, pardon. C'est rien, c'est sûrement juste une alerte incendie, rien de grave. Ok. Va sauver le monde. Je t'aime. On s'appelle plus tard. Magnifique petit flashback qui fait toujours plaisir à regarder. Adi, je m'excuse. Laisse-moi. Adi, laisse-moi, Ricky. Je suis désolée. Fais chier. Accréditation. Accréditation. O'Brien, ici Saint-John, répondez. O'Brien, c'est Saint-John, putain, mais vous allez répondre à cette foutue radio. Saint-John ? Je m'attendais pas à avoir de nouvelles. Bienvenue au club. Bon, écoutez, la nuit où vous vous êtes tiré, vous m'avez dit que vous avez pas emmené de civils, seulement le personnel du Nero, des fédéraux et des gens accrédités. Je vous l'ai la dit. Ferme, fermez-la et écoutez-moi. Sarah, ma femme, elle avait une accréditation. Elle avait son badge la nuit où je l'ai faite monter dans votre hélico. Je doute qu'il... Non, rendez-moi service et vérifiez. Sarah Irene Whittaker, elle bossait à Cloverdale. Elle avait une accréditation, elle faisait... De la recherche pharmaceutique. Enfin, putain, je sais pas, un truc dans le genre. J'ai pigé. Je vais voir ce que je trouve. Ok, cool. O'Brien, vous avez une dette envers moi. Oui, oui. Terminé. On va de révélation en révélation. Je me pose des questions sur... C'est vraiment sympa. Genre, est-ce qu'il ressent la douleur ou autre chose? Donc, normalement, je pense qu'on avait tout acheté. Ici, O'Brien. O'Brien, vous avez du nouveau? Ah, tout est plein, ok. Donc, la moto aussi. Il faut que je vous vois en personne. Bon sang, O'Brien, dites-moi simplement ce que vous avez trouvé. Est-ce qu'elle est en vie, oui ou non? J'ai quelque chose à vous donner. O'Brien. Je vous ai transmis les coordonnées. Ok. C'est pas encore. Retrouvez-moi là-bas. Terminé. O'Brien, fais chier. Nick, Iron Mike te cherche. Il a dit que... Osman, écoute-moi. Il y a quelques semaines... Dis-lui que je reviens. Voyager vers l'ouest, sur la route d'Olbenia. Tu te souviens ce que je t'ai dit? On est tombé la nuit où Sarah est morte. Ça, il y a tout qui s'enchaîne, on ne pourra pas être partout en même temps. Ça, c'est chez Tucker, chasseur de primes. Ricky Patil. Pour l'instant, il y a... Le Nero, ils sont tirés. Et ils ont évacué que leurs membres, les fédéraux et quelques personnes accréditées. Attends, Dick, de quoi est-ce que tu parles? Écoute, c'est sûrement rien, mais... Je dois régler un truc. Terminé. Hey Dick, je m'en occupe. On va voir si je peux passer par là et prendre à droite directement. On va voir. Hein. Informations. Quelles informations, Brian? Je ne sais pas ce qu'il peut encore avoir à dire. Intéressant pour moi. Tu me reçois, Dick? Tu pourrais passer? Ouais, Ricky.
moins pour un boulot, j'imagine. Ok, je vais venir. Terminé. On va faire les 1,2 km. En espérant que c'est bien ça, là, de rétablir le courant dans le tunnel. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. La guerre contre le terrorisme et le réchauffement climatique, ça n'a plus d'importance maintenant. Hop, 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 ferme-la, bon sang. Ouais, vous faites une belle bande de violeurs, de tueurs et de voleurs. Hein. Qu'est-ce que vous foutez? Vous attendez une victime sans défense? Passé, ils n'ont rien remarqué, j'étais trop rapide. 600 mètres. J'ai évité une embuscade sans le savoir. Les squatteurs, qu'est-ce que vous cherchez? Je suis touché! Il lui a tiré dessus! Il m'a rendu! Pourquoi il a changé d'arme, je ne sais pas. Aidez-moi! Pitié! Je vous en prie! Ouais, c'est chaud. Il y a quelqu'un de coincé. Il faut que je l'aide. À l'aide! À l'aide! Ça va aller. Tu vas te faire tuer dehors. Je connais un camp où tu seras en sécurité. Un camp? Où ça? Où? Monte-moi, s'il te plaît. J'y vais, j'y vais. Iron Mike, toujours. Va à Lost Lake, parle à Ricky Patel. Elle te fera entrer. Oh, oh putain, c'était la fin pour moi. Merci beaucoup, mec. Merci. Donc on est à 20 000. Deacon, ils savent qu'ils on est à 20 000 points sur 25 000. Ce qui veut dire dans 5 000 points, on est au niveau de confiance 3 au camp d'Iron Mike. On aura accès à du nouveau matos. J'ai juste farmé un peu. Ouais. La ferraille, j'en ai pas besoin en fait, j'en ai déjà 20. Ce serait pour trouver surtout des bandages qui me manquent. Un chiffon, j'ai de la chance. Ok, alors vite fait vérifier ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'on peut en crafter sinon? On peut en crafter, mais c'est plein à 5. C'est seulement si on trouve des... Oh, ça, je veux bien. Ça peut servir pour faire une arme, au cas où. Bon, là, il y a plein de matériaux, en fait, j'aurais pu récupérer sur la bacon. Bon, ça faisait 2-3 jours que j'avais pas joué. J'ai juste le temps de me remettre dans... avec les touches et tout. J'ai un petit peu paniqué, mais ça va, c'est passé crème. Donc ça doit être à la fin de ce tunnel là. On ralentit. Pardon. J'ai un peu tapé les véhicules. Ah ouais, ils m'ont flingué comme ça, direct. Flingué comme ça, direct, quoi. Du coup, ce que je vais faire, cette fois-ci, je vais m'arrêter à la fin du pont. Et on va se faire un gunfight normal. Information, Brian. Je vois pas ce qu'il peut encore avoir à dire. Intéressant pour moi. J'ai la RPD, c'est ça? J'ai même pas la RPD? D'accord. Bon, j'en récupère une alors. Hey,
Alors, ce qu'on va tester. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'il survit à la grenade parce qu'il a un casque. C'est du bon casque intégral. J'aurais bien aimé. Libérez-le. Il a bien géré son coup de viser le bidon rouge. La vérité vous libérera. Je vais vous dire, passer sur la gauche. Avant toute cette merde, on était complètement endormi et abruti. On avalait aveuglément toutes les sortes d'opiacés qu'on nous présentait pour nous maintenir dans une béatitude permanente. Sucrerie, télé, épines, héroïne, et ça marchait. Allez. On ressent la moindre petite coupure. On est bien réveillé et on est sur nos gardes. Maintenant, vous savez que je disais vrai depuis le début. Et plus personne ne se laissera avoir. C'est nous qui sommes commandes maintenant. Et on s'en sort carrément mieux que les fédéraux. Inspirez profondément et retenez votre souffle. Vous êtes des hommes libres. Plus personne ne pourra vous enlever ça. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Ouais, Cope, je comprends la douleur. Mais c'est pareil pour tout le monde, pas vrai? Putain de Jesse Carlos Williamson. Repose en paix. Non, je pensais que ça allait le faire exploser, mais non. Donc on va enlever déjà tout ça. Je suis sûr qu'il faudra... rétablissez le courant, ouais, ben ouais, du coup, si on rallume, si elle est haut-parleur, on va pas se faire avoir comme on a fait avec à la Siri. Parce que, après, la horde que je devais combattre, j'en ai chié. Ah, je vais pas le cacher. C'était assez balèze. Cela. Ah, donc, deux par. Deuxième est là. Et maintenant, normalement, il y en a encore un sur le poste d'entrée. Enfin, les deux postes d'entrée. En fait, ça, c'est un poste d'entrée. Si vous venez dehors, quoi. Si vous sortez, c'est un poste de sortie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, où je veux en venir, quoi. Il y a des motos qui tournent ici. Voilà. Ok. Il s'est craché en tout cas. Il y a la bécane là. Bon, s'il vient pas m'attaquer. Donc on va encore vérifier là-bas en haut. Et on va voir si le gros monsieur, il avait encore une belle arme pour moi. Ben voilà. Ouais. Ça fera l'affaire. Voilà. Il n'y a pas de munitions, mais c'est pas grave. Je vais récupérer un bandage que je vais utiliser immédiatement. La voiture de police avec les munitions à l'arrière, comme toujours. On les récupère, vu qu'on a une arme. 58 munitions. Parfait, on recharge tout. Voilà, donc on a un chargeur plein. Ok. Donc normalement, il y avait un poste ici, peut-être. Avec une... Non. Je fouille. Juste un bandage, un chiffon, nickel.
Ok. Du coup, on va essayer d'allumer tout ça. Un bidon d'essence. Un bidon d'essence. Maintenant, il faut que je trouve le générateur. Il est ici. Et voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin d'un... Voilà. D'un fusible, comme d'habitude. Je vais mettre ça là-bas. Ouais, ça peut jeter très très loin. Ouais, est-ce qu'on peut l'allumer? Et voilà. Le feu vert, c'est bon signe. Merde, ça va rameuter tous les moutons à la ronde. Bien sûr. Oh non. Deux méga costauds. Il y a des tout gros. Ah là 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 là. J'ai pas les primes. Que j'arrive à accéder à ma moto pour récupérer un plein de munitions. Là on a ça. Ouais, pas mal. J'ai quand même réussi à récupérer mes munitions. Ah.
Oh là là. Deux brutes en même temps, c'est balèze. Ouais, j'ai plus trop parlé. J'suis en train d'essayer de réfléchir quel était le meilleur move possible. Oh, il y en a encore un, c'est vrai. Oh là 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 là. Vas-y, je vais voir si ça lui fait des dégâts, ça. Éclaté. L'éclairage quand vous tirez dans le tunnel, elle est stylée. Hein. Ça éblouit pas mal, mais oh là là, soin. Oh là là. On récupère les munitions. Pas. Les zombies normales, c'est plus simple. Du coup, on doit trouver Là, il y a le courant, là. Voilà. Pourquoi avant ça, elle l'a pas pris. Voilà le travail. Vas-y, donne-moi tout ça. Donne-moi tout ce qui est possible de prendre. Là, on va directement aller dans le deuxième sans perdre de temps, à moins qu'il y a tout le monde qui débarque. On récupère tout ça. Voilà, on va vite fait crafter les bandages. Bon, on est nouveau bien. Pas besoin de paniquer. Ah, voilà ce que je cherchais. Ouais, un injecteur du Nero. Endurance. Parce qu'avant, j'étais à court d'endurance. C'est-à-dire que ça suffit pas encore. Bon, ça devrait le faire. Ok. Ah, elle est là. Et toi, on va prendre la moto. La moto, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais là? Rejoignez O'Brien. Ok. Et ça, c'est le camp d'Iron Mike. Ok, on va aller là-bas. En voyage rapide. On peut faire le plein de munitions, tout ça. En vite fait. On a de la visite à l'entrée. Et puis le prochain épisode, allez, gars, du coup, ce sera, cette mission-là. Allez voir O'Brien pour avoir des. Alors comment ça va? J'ai en bavant de nos primes. Ça marche le commerce de flingues. Ok, bien. C'est tout. Ouais. Comme ça. Dick. Bah, je suis juste en train de faire le plein, c'est pour ça. C'est dommage qu'on ne peut pas faire plein de munitions, juste cliquer sur un truc, quoi. Beau matos. Ouais. Une sacoche, 400. Munitions max, on s'en fout. Grenade flash, on s'en fout. Ok.
Les arbres, faut attendre le level. Ok. On ira faire la mission de O'Brien pour voir qu'est-ce qu'il a pour nous. J'ouvre les portes. Et du coup, ce sera dans le prochain épisode. Donc si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à un petit like, un petit abonnement, n'hésite pas à partager tout ça, tout ça. Et puis nous, on se retrouve au prochain épisode. Allez, tchou! Moi, je me casse.